Salut à tous! Salut! Non! Quoi? Attends! Salut à tous, j'espère que vous allez bien! Attends, ça va recommencer! Salut à tous, j'espère que vous allez bien! Salut! Je suis avec Nico aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il est de retour parmi nous. Vous aurez déjà vu sûrement une vidéo avec lui et d'autres personnes sur ma chaîne juste avant. Mais voilà, vous l'avez tant demandé, il est de retour. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour faire un challenge, on est là pour ouvrir une box que j'ai reçue pour Nico. Donc d'habitude, je reçois toujours des bitrousses pour moi. Et là, cette fois-ci, on m'a demandé si je souhaitais recevoir celle pour Rome. Et j'ai dit oui, pourquoi pas, bah, tant qu'à faire que mon chéri puisse avoir aussi des produits gratuitement. Bah oui. Donc il sait pas du tout ce qu'il y a dedans et on va découvrir ensemble. Moi je sais parce que j'ai déjà vu le contenu de cette boîte, mais lui il va découvrir maintenant. Il n'y a pas de menu donc on va prendre comme ça vient et puis on va vous dire ce qu'il y a dans cette boîte. Alors c'est parti, vas-y. Alors on va commencer avec le rasoir. Le rasoir. Donc un rasoir Wilkinson Sword. C'est bien parce que j'ai pas de rasoir en plus. Bah voilà. Bah nickel, parce que j'ai qu'une tondeuse pour ma barbe. Donc voilà le rasoir. Je sais pas si on le voit. Oui, on le verra. Donc mais c'est cool déjà ça. C'est cool, ça va surtout beaucoup me servir. Je sais pas s'il y a pas des lames quelque part. Enfin, il y a déjà une lame dessus donc ça va. Ouais, voilà, cool. Après tu rachètes des lames. Donc c'est hydro-sensitive. Donc c'est pour que, t'as vu, il y a un truc genre... Ouais, un gel. Un gel pour que... Bon, Nico, lui, il a une barbe donc il se rase juste là en fait. Ouais, moi je fais tout à la tondeuse sinon. Tu rases juste ce qui dépasse. Ouais. Mais bon, ça tu sert toujours. Jamais à blanc. Un rasoir, ça coûte cher ça en plus, non? Ouais, ça coûte dans les 20 euros, ça doit coûter 15-20 euros. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon, bah du coup, ça c'est bien, c'est utile. Alors ensuite, on a... C'est quoi ça? Je peux regarder? Tu veux regarder ça? Ouais. Ça, ça va te plaire, ça va être utile. Complément alimentaire à base de spiruline. La spiruline participe à la résistance de l'organisme. C'est quoi? C'est pour être en bonne santé? Ouais, je pense. Alors attends. Pas des protéines? Non, laboratoire super diète. On sélectionnait véritable concentré de protéines. Cette algue bleue possède de nombreuses vertus, ça va te plaire. Elle aide notamment à garder la forme, à contribuer au bon fonctionnement des défenses naturelles et apporte un soutien dans le cadre d'un programme minceur. Enfin, j'en ai pas besoin normalement. Bon. Alors, faut savoir que Nico est mince, hein, bien sûr. Mais vous l'avez déjà vu, mais il est toujours. En train de croire qu'il va grossir, quoi. J'ai 30 ans, donc je vais grossir, forcément. Non, mais voilà, du coup, il est toujours en train de dire « j'ai pris du poids », alors qu'il fait le même poids depuis 5 ans. Et du coup, je me suis dit que ça allait t'aider dans ta perte de poids fictive que... Bon, peut-être je vais le prendre, ça a l'air d'être que des plantes et tout, non? Tu le prendras jamais. Bah, c'est bon pour la santé, c'est marqué. On verra bien. On verra bien. Si jamais il a encore... s'il croit encore qu'il est gros alors qu'il est mince, il pourra le prendre. Ensuite, on a un... Ah ça, ça a l'air bien. J'ai vu qu'il y avait un petit fascicule. C'est un savon pour se raser. Ah bon? Ça doit faire de la mousse, je pense. Ah ouais, bah je connais. La marque, elle a l'air bien. La marque, c'est... un truc de barbier, on dirait. Ouais, Raze War. C'est ça, la marque. Et il a l'air d'avoir... Il y a un petit fascicule avec plein de produits de rasage, tu vois. Ça a l'air d'être un truc ouais, un ça peu a l'air cool. Cool. Ouais, c'est un... Bon, je vais pas en avoir beaucoup l'utilité non plus. Alors, coffret d'un expert... C'est super bon. Espère ou de luxe pourrait découvrir le plaisir du rasage. Oui, c'est à la place de la mousse à raser, tu frottes sur la barbe et ensuite tu rases. Ouais. Mais toi, tu te rases un peu là et tout. Bah, à la tondeuse aussi. Ouais, je me rase pas au rasoir. Non, mais bon, je m'en servirai quand je fais beaucoup le bas du cou. Donc, ouais. Ça, c'est original et c'est des produits un peu de luxe apparemment. Non, ça, c'est bien. Nico, tout ce qui est rasage, ça va lui plaire. Ouais, il aime beaucoup ouais. Entretenir sa barbe et tout. Il a une belle barbe, voilà. C'est. Ensuite, c'est quoi ça? C'est moi, c'est ma box. Oui, d'accord. Peau sensible, 3 ans d'un visage, corps, cheveux. Ouais, c'est un gel douche pour tout en fait. Bon, ça c'est bien douche, aussi. Ouais, c'est bien. On va l'ouvrir, peut-être ça va sentir. Ouais, je vais sentir. Dis. Ah ouais, ça sent super bon. Ah, ça sent l'homme, ça c'est vraiment les produits pour hommes, ça sent vraiment. Ouais, mais le ça parfum. Sent. Gel douche, genre que tu achètes en parfumerie, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça, sent ça pas c'est les, bien. Les hacks et tout, ça sent vraiment bon. Ça c'est bien, Nico, il achète toujours des gels douche pour hommes. Moi perso, quand j'ai plus de gel douche et que je dois me laver avec ça, c'est horrible, toute la journée je sens l'homme. Mais c'est vrai qu'après tu sens très bon avec ça, l'odeur elle reste sur toi. Donc ça c'est bien. Alors ça. Ah, c'est des chocolats. Mais non, ça a l'air d'être une montre à la caméra. Ce que c'est? C'est une barre énergétique au chocolat apparemment. Cliff. Cliff Bar, c'est l'escalade.
Du coup, il y a un petit mec qui fait de l'escalade dessus. Donc ça, c'est pour... Bah, tu vas pouvoir le manger avant d'aller faire ton tennis. Ouais, c'est vrai. Ça va te donner de l'énergie. Mais oui, c'est vrai. Ouais, c'est une barre énergétique. C'est une barre énergétique. Ça a l'air bon, hein. Bon, Nico, il fait beaucoup de sport, donc ça, c'est le genre de truc. On va découvrir la marque, autant... J'en prends jamais, habituellement. Dès qu'ils en vendent dans les magasins comme Decat, tu nous diras si c'est bon. Mais je vais le manger après, je vous dirai. Ensuite, ça, c'est bien, ça. C'est quoi? Ah, des gants de jardinage. Des gants pour les engins motorisés. Ça, c'est très très bien pour moi. Ça, je savais qu'il allait être content. Ouais, parce que moi, comme vous le savez, je suis sapeur forestier, donc je fais beaucoup d'espaces verts. Et bon, ma collectivité m'en donne beaucoup, mais c'est toujours bien d'en avoir en plus pour le travail à la maison. Ouais. Donc en plus, ils ont l'air vraiment bien. C'est ma part, c'est la marque des... Je vais essayer. Ouais. C'est la marque des gants pour faire le ménage, ma part. Ça, c'est spécial. Ouais, engin motorisé. Donc ouais, lui... c'est trop bien. Ouais, ça, je savais que ça allait lui plaire, parce que voilà, des gants, c'est de voir que ça allait bien. Hein. Ouais, ils sont rembourrés, ouais. Ça leur permet de prendre soin d'eux, de faire du sport et aussi d'aller faire le jardin, parce que c'est pas du tout. Je connais ça, parce que ça, c'est un anti-vibration, donc c'est vraiment pour les engins motorisés. Comme ça, quand vous avez une machine, ça vibre pas. Non, ils sont vraiment bien, nickel. T'es content? Ouais, ça, je suis content, par contre. Ouais, le reste, t'es pas content? Oui, je suis content, mais bon, ça va vraiment beaucoup me servir. Ensuite. Ah, bon, un axe. Un axe, ouais. Ouais. Ah non. Ouais, ils sont bons. Bon, c'est un déo axe, quoi. Un déo axe, voilà. Mais regarde, quand tu te fais comme ça. Oui, je sais. J'ai déjà vu au supermarché. Non, moi, je connais pas celui-là. C'est un truc high-tech. Ouais, non, mais ils sont bons, en plus. Ils sont bons, bah, ça sent l'homme. Ouais. Ouais, bon, bon, c'est un pratique, déo... C'est un déo axe, quoi. Cette box, ça vous permet d'avoir... il est... rhabillé. Et... Un produit de beauté. Ouais. Non, mais tu vois, il y a un gel douche qui fait shampoing avec un... Tu sens bon, au moins tu sens bon. C'est bien parce que j'en achète pas beaucoup, en fait. Ça, c'est bien. Ça a l'air super. Je sais que c'est une bonne marque. Docteur Séverin. C'est quoi? C'est un aftershave pour le corps. Ah ouais, ça c'est bien, par contre. Mais c'est une bonne marque, ça. Hein. Ça se voit que c'est... Ouais. À la menthe et au romarin. Ça... Ouais, ouvre le concentre. Ouais, ça c'est bien parce que moi j'ai. Déjà j'aime beaucoup le packaging, ça fait très classe donc ça sera très joli dans notre salle de bain. On va virer tous mes anciens produits d'ailleurs. Oui, on va pouvoir tout remplacer. Ça c'est bien parce que quand je me rase, moi j'ai la peau qui marque vite. Donc peut-être ça va me soulager. Oh, c'est bizarre. Ah, c'est liquide. Ouh, c'est fort. Ça sent fort, putain. Ça sent le Vicks. Tu vas pas vomir? Non, mais ça sent super fort. Vegan, c'est marqué derrière. Ah voilà, ça me plaît, c'est bon. Nico, il dit que je suis vegan, non, pas du tout. Parce que j'aime bien les trucs bio et dessinés uniquement à usage interne, donc tu peux pas le manger. Ne pas appliquer quoi, ça sur les sur les muqueuses. Ouais, bon, ça va. Donc okay. Tu peux pas te raser n'importe où avec ça. Ouais, je comptais pas. En tout cas, tu peux pas t'appliquer. En même temps, faudrait être un peu fou. Bon, ensuite. Ah, une autre toilette. Ah. Toi qui n'as plus de parfum. Ouais, j'ai fini mon parfum. Là, récemment, donc c'est bien. Ça va Nico, il a le parfum Abercrombie qui est trop bon. Qu'on rachète à chaque fois qu'on va à l'étranger. Et là, on l'a pas racheté, du coup, faut attendre les États-Unis. Une petite boîte. Ah, c'est joli, regardez, une petite boîte. Et dedans, il y a le parfum, comme ça. Bon, je sais pas s'il va sentir bon, on va voir. C'est quoi le système, là? On va sentir. Bon, c'est fort, là, mais... Ça pas oh non, terrible. Ça sent bon. Ouais. Faudra le donner à ton père, peut-être. Et voilà. Non, mais je sais que t'es compliqué pour les parfums. Non, pour me dépanner, ça ira. Bon, ça a l'air frais, donc c'est un truc d'été, apparemment. Ouais, c'est une autre toilette. Non, moi, je vais le garder c'est pour... C'est pas une autre parfum, c'est une autre toilette. Donc déjà, c'est plus léger. Ensuite, tiens, ça sera pour moi, parce que je l'ai déjà eu dans une vitrousse. Et Nico, on va dire qu'il n'a vraiment pas besoin. Alors. Du coup, je le prendrai moi. Laboratoire, l'aérosolaire prépare la peau à prendre le soleil. Ouais, c'est bon, moi ça j'en ai pas besoin. Ouais, non, Nico a une peau très mate, mais moi j'avais fait une cure qui avait plutôt bien fonctionné parce que j'avais eu un beau bronzage. Là j'ai complètement débronzé. L'huile de pépin de cassis. Donc chose là... qui n'existe pas, on est d'accord. Si, bien sûr, évidemment. Ah, c'est des gélules, oui, c'est des gélules. Non, c'est des pommades. Non, c'est des compléments alimentaires, tu fais une cure en fait. Ouais, bon, comme bon, Nobiol, tout ça. Mais ça avait bien marché, je l'avais déjà testé, donc ça je peux vous dire déjà que c'est un bon produit. Bon, ça sera pour Ellie, ça. Ensuite. Bon, shampoing. Pétrolane. Shampoing anti-pelliculaire. Ouais, bon, bah on aura un shampoing en plus, quoi. Ouais. Bon, j'ai pas particulièrement de pellicule, mais ça fera toujours un shampoing.
Oui, mais c'est bien. Ouais, non, c'est bien, ça fait un produit, ouais, c'est un shampoing, quoi. Ah, c'est marrant, ça. J-Win Technical Sports Care Gel Pied. Du gel pour les pieds. Ça doit être un déodorant pour les pieds. Tu crois? Bah ouais. Attends, je vais lire. Il assainit, répare, décontracte vos pieds fatigués, gonflés, endoloris après l'effort. Ah bah oui, ah, voilà. C'est bien parce que... C'est vrai pour le tennis. Quand je joue au tennis sur dur en ce moment, et c'est vrai que j'ai très très mal aux pieds quand je finis, donc je vais essayer ce soir. Ah ouais, ça doit être rafraîchissant, ça doit être sympa. Je vais essayer ce soir du coup, puis... Puis l'été, en plus... Ouais, puis en plus, vu que l'été, les pieds ils gonflent avec la chaleur, il fait très chaud en ce moment, je pense que ça doit être sympa. Peut-être que je testerai moi aussi. Tu me feras un massage de pieds. Ouais. Tu mets de la vie, je pense. Et pour finir, il y a ça. One gum, chewing gum énergisant. Vitamine B et caféine, goût menthe. Tu veux goûter? Sans sucre, sans taurine. Ouais, je vais goûter. Ah, c'est un chewing gum. Un chewing gum égale un café. Ah ouais, c'est chaud. Je vais en prendre un moi aussi. Je vais goûter en live. Il y en a, ouais, bah, il y en a. On dirait 10 des, dedans. On dirait des strepsils. 10 comme ou 12, ça. 10, il y en a. Ouais, tiens. Je vous mettrai de toute façon les prix au fur et à mesure. Je savais même pas que ça existait. C'est bizarre, c'est dur. Ouais, après c'est beau. Bon, c'est un chewing gum à la menthe. Hein. Je vous le dirai dans mon vlog que je vlog, enfin, je fais un vlog aujourd'hui. Si je suis super excité, après je vous le dirai. Un one gum contient l'équivalent caféine d'une tasse de café. Ouais, c'est ça. Bon, faut pas être quelqu'un qui boit beaucoup de café du coup. Ouais, moi j'en bois beaucoup par exemple. Et moi j'en bois pas. Ça fait comme si j'avais bu de café. Moi j'en bois pas, donc du coup. Tu les prendras quand tu fais tes déplacements. Ouais. Ah. Oula, c'est chaud, ça arrache. Ouais, ils sont forts. J'avais l'impression de manger un Airways. Ça c'est bien, coup de boost. Instantané. Je me sens déjà. Il n'y a pas de taurine dedans. C'est bien, voilà, ouais, ça c'est très bien. Ça c'est bien parce que moi quand je pars en déplacement, je pars genre à 6h du matin et je me force à boire un café alors que j'aime pas trop ça. Pour pas. Parce que sinon j'ai les yeux qui se ferment tout seul en conduisant, c'est très dangereux. Et du coup, ben, je testerai ça quand je fais mes déplacements. Vu qu'on est très fatigué aujourd'hui, ça peut être bien. Voilà! C'est fini. C'est terminé, je vous mettrai le prix de cette box ici parce que je m'en souviens plus là comme ça. T'en as pensé quoi de cette box? Bah personnellement c'est ma première box, je trouve qu'elle est, enfin, elle est bien parce que c'est une box un peu, il y a soin et puis sport aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de produits mine de rien pour le sport, le gel pour le pied, la barre énergisante, enfin c'est bien, c'est complet. Bon après il faudra que je teste les produits mais bon, ça a l'air sympa. Ça te plaît comme concept? Ouais, non mais c'est bien. On pense pas à prendre des box pour nos hommes et c'est vrai que nous bah, on adore les box parce que ça fait toujours un petit cadeau tous les mois. Ouais, mais non, moi je suis content, ça m'a renouvelé. Ce qui est bien avec la Bitrousse, c'est que c'est ponctuel, c'est pas des box que vous recevez tous les mois, c'est quand vous avez envie d'en offrir une à quelqu'un ou de vous en acheter une. C'est les thèmes changent tout le temps. Donc là, voilà, si vous avez un petit cadeau de fête des pères ou un cadeau, je sais pas, un cadeau, vous avez envie de faire un plaisir à quelqu'un, vous pouvez lui envoyer cette box ou vous l'achetez à vous-même. Ouais, elle est bien, ouais. Question rapport qualité-prix. C'est le top parce que la box est beaucoup moins chère que évidemment que le prix des produits qu'il y a dedans. Et il y a des trucs quand même de qualité, donc c'est bien. Oui, puis je pense que quasiment tout me sera utile. Ouais. Sauf peut-être les compléments pour prendre le soleil. Ouais, mais ça, je le récupérerai moi, donc c'est assez complet en fait. Ouais. Non, mais c'est bien. On va faire une petite cure minceur. Ouais, je vais faire ma cure minceur aussi. On verra les résultats plus tard. On fera un avant-après quand on aura perdu 0 kg parce que t'as rien à perdre. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à laisser des commentaires pour nous dire, pour motiver Nico à refaire plus de vidéos. Vous avez été nombreuses à me demander des vidéos pâtisserie, donc on est en train de réfléchir. Ouais, peut-être on va faire ça. Bon, je suis pas non plus le plus grand pâtissier de la Terre. Bon, mais quand même, il se débrouille très très bien. Pour celles qui me suivent sur Insta, vous avez vu le gâteau d'anniversaire. Et normalement, vous aurez vu la vidéo anniversaire aussi. J'ai quelques techniques à vous apprendre. Voilà. Donc, on va préparer tout ça et ça viendra dans le cours de l'été. Et on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. So when you're leaving tomorrow.